Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, ça veut tout simplement dire que tu as envie d'optimiser au maximum, de maîtriser de A à Z la composition Afrobeat, Afrotrap, RDC et tout ce qui va avec la musique africaine. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la voie la plus simple que moi-même, si j'avais eu la possibilité d'avoir des personnes qui m'avaient éclairé avec toutes ces différentes stratégies que je vais te partager aujourd'hui, j'aurais dit oui sans hésiter. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais te donner les étapes concrètes que tu dois maîtriser au bout des doigts pour pouvoir toucher les instrumentales Afrobeat comme un professionnel et ceci sans avoir un matériel de professionnel. Donc, dans cette série de vidéos que je t'ai préparée, le module 1, je vais t'initier de façon simple au rythme Afrobeat et au rythme des sonorités africaines. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut que tu saches concrètement pour maîtriser la composition africaine. Qu'est-ce que tu dois ajouter comme secret pour tout ce que tu as composé comme sonorité africaine. Voilà, donc je vais te montrer de façon simple les différents éléments impératifs si tu veux composer de l'afrobeat ou de l'afrotrap, tels que des balafons, des tam-tams et plein d'autres. Donc, dans cette série de vidéos, je vais te montrer les éléments majeurs qui doivent dominer dans chacune de tes instrumentales afrobeat. Voilà, donc dans cette série de vidéos, je vais te montrer les VST impeccables. Les VST qui sont très importants, qui sont utilisés par beaucoup de beatmakers que tu connais sûrement, qui leur permettent de toujours avoir de nouvelles sonorités que tu vas trouver épatantes. Voilà, donc et par la suite, je vais te montrer de façon simple comment débuter une composition afrobeat. Parce que c'est ça en fait le secret. Qu'est-ce qu'il te faut? Quel est le secret pour des batteries professionnelles? Quel est le secret de différentes percussions? Comment il faut agencer chacune des percussions pour maîtriser, pour avoir une bonne rythmique afrobeat déjà depuis le début, depuis que tu es en train de faire la batterie? Je vais te montrer ça dans une vidéo du module 2. Et ensuite dans une autre vidéo, parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent: pour le favor, je n'ai pas d'inspiration pour faire les mélodies, je n'ai pas d'inspiration pour créer les sonorités comme toi tu le fais toujours. Moi principalement, je vais te dire la vérité, je ne manque jamais d'inspiration. Pas parce que je suis fort, tout simplement parce que, comme je le dis toujours, avant de composer, il y a un minimum de choses à mettre en place. Avant de composer de l'afrobeat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter au maximum le type d'instru que je vais faire. Si par exemple je vais faire une instru, comment on va dire, Fali Poupa, ces instrus qui sont typiques rumba congolaise et un peu d'afrobeat, donc il fait un mélange généralement des deux sonorités. Donc qu'est-ce que je vais faire si je vais faire ce type d'instrumental? Il me suffit tout simplement d'écouter au maximum peut-être 2 à 3 sons qui vont dans la même cadence que j'ai envie de composer, tu vois. Et après avoir écouté ces 2 ou 3 sons, les mélodies vont rester en tête, ce qui fait que dès que je vais commencer, je pars des mélodies de ce qu'on a déjà créé pour pouvoir créer facilement de meilleures mélodies. Donc c'est en fait ça que je vais te montrer dans la vidéo qui va suivre. Je vais te montrer les meilleurs plugins utilisés, quelles sont les différentes guitares qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir les bonnes sonorités. Je vais te montrer comment configurer chacune de ces guitares. Que ce soit les guitares acoustiques, on va travailler avec les guitares acoustiques, on va travailler avec les guitares électriques, on va travailler avec les balafons. Je vais te montrer comment c'est assez facile d'ajouter des balafons sur tes compositions et plein d'autres trucs. Et ensuite, dans le module 3 de cette série de vidéos que je t'ai préparé aujourd'hui, je vais te montrer au maximum comment faire plusieurs types de mélodies et comment accorder. Parce qu'il faut savoir, tu peux réussir une mélodie, mais maintenant, dans le son, il va falloir faire varier la mélodie et il va falloir accorder la mélodie. Donc, automatiquement, tu dois comprendre comment ça se passe pour pouvoir accorder tes mélodies et comment ça se passe pour pouvoir faire varier tes mélodies dans ton instrumental. Donc, c'est-à-dire comment mieux gérer tes structures. Et là, on tombe à une vidéo justement où je vais t'expliquer comment débuter une structure. Donc, parce que dès que tu es en train de composer encore, tu dois déjà avoir la structure de ton instrumental dans ta tête. Donc c'est comme ça que tu dois faire pour facilement gérer tes structures, pour ne plus avoir des problèmes de structure à la fin. Plusieurs personnes me posent la question: je n'arrive pas à structurer mes instrumentales, pour le favor, comment est-ce que je fais pour pouvoir facilement structurer? Pendant la composition, tu as déjà une idée de ce que tu vas faire dans la suite de ton instru. Je sais pas si on se comprend. Donc dans cette vidéo là, je vais te montrer comment tu peux débuter une structure d'un beat afro. Ensuite, je vais te montrer qu'est-ce qu'il te faut savoir pour pouvoir structurer facilement tes instruments afro. Il y a un dernier module. Donc, ce module, j'ai pris un extrait d'une autre formation pour t'offrir un bonus. Dans ce module, je vais te parler du mix et du mastering. Plusieurs personnes ont des sérieux problèmes au niveau du mix et du mastering. Donc, dans la première vidéo de ce module, je vais te montrer comment il est assez facile de faire des prémix. Un prémix, c'est quoi? Un prémix n'est rien d'autre que la phase qui précède le mix. Donc avant même le mix, pendant ta composition, il y a des choses déjà que tu dois optimiser. Il y a déjà des fréquences que tu dois couper. Il y a déjà plein de choses que tu dois mettre en place pour que
Quand tu vas vouloir faire ton mix, ça sera facile de pouvoir gérer ton mix assez facilement et ça te fait, comme j'ai dit, mes secrets pour gagner du temps. Donc dans la vidéo qui va suivre, je vais te montrer comment terminer un mix. Après avoir fait le pré-mix, tu fais maintenant le mix de chaque instrument, tu gères les volumes parce que les sonorités sont déjà optimales, tu gères facilement les volumes et maintenant tu fais le mastering global du son grâce au VST de Bass FL Studio. Moi personnellement, j'utilise les VST de Bass FL Studio tels que les Maximoods pour avoir un bon rendu. Donc maintenant, quels sont les différents bonus que tu obtiens dès que tu intègres cette série de vidéos que j'ai préparée pour toi uniquement aujourd'hui? Si aujourd'hui tu intègres cette série de vidéos, tu reçois instantanément toutes les vidéos que je t'ai parlé et en plus de ça, tu as une assistance personnelle de mon staff disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes tes difficultés. Donc en deuxième position, tu as accès à l'espace membre et au blog Jeune Beatmaker pour recevoir au quotidien non seulement les astuces, parce que nous avons des groupes WhatsApp, nous avons des groupes Facebook, pour recevoir les astuces pour pouvoir t'améliorer de façon simple dans ta musique. Et dès que tu as une question, t'envoies, tout le monde est prêt à te répondre, tout le monde est prêt à faire des recherches pour toi. Donc troisième chose, ton accès à ce programme ou à cette série de vidéos va être mise à jour au fil des jours et au fil des mois. Donc automatiquement, non seulement tu bénéficies de tout ce que je t'ai déjà donné là, mais en plus de ça, tu bénéficieras encore de tout ce que je vais ajouter comme vidéo, comme outil qui vont t'aider et t'accompagner dans tes différents jours à venir. Et comme je t'en ai parlé, tu auras en plus de ça tous mes différents VST, tous mes différents outils, que mes packs de son, mes packs d'instruments pro, mes packs de sample. Il y a plein de trucs que je vais t'offrir gratuitement, tout simplement parce que tu as accédé à cette série de vidéos. Donc sur ce, je crois que je t'ai tout dit. On se retrouve de l'autre côté. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description ou sous le bouton qui est juste en bas de cette vidéo pour en savoir plus, pour savoir comment accéder et débloquer ces différentes vidéos. Si tu as une question, n'hésite pas dans mon email qui est juste sur cette page. Donc sur ce, c'était Paul Favor. Ciao. Paul on the beat.